Salut tout le monde, c'est Suza, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais interviewer le CRA. Hein. Alors je suis assez content parce que pour l'interview du CRA, j'ai réussi à trouver un gros joueur de CRA. Hein, je vous avoue, vu que c'est la classe la plus jouée du Dofus Game, je voulais quand même quelqu'un qui représente assez bien la classe. Et là, pour vous donner une petite idée, je vais interviewer Pewcartoo. Alors Pewcartoo, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est bon, entre autres un YouTuber de 222 abonnés à l'heure actuelle. 222 abonnés parce qu'il n'a que 6 vidéos sur sa chaîne, étant donné qu'il l'entretient pas forcément. Hein. Alors, je l'invente pas, hein, c'est lui-même qui me l'a dit, étant donné qu'il a un peu la flemme de poster des vidéos dessus. Bref, mais pour vous donner une petite idée, je vous évoque surtout ça parce que sur sa chaîne YouTube, on peut trouver un Illizel solotage en CRA, avec liberté en plus, un Capitaine Meno solo en CRA, un Proto solo en score 200, un Nidas solo, un Chaleuil solo et un Cthulhu solo. Bon, je pense qu'il est capable de faire d'autres choses en plus. Mais voilà, il y a au moins ça qui est posté sur sa chaîne. Pour lui faire aussi un peu d'autres pubs, on en reparlera en tout début de vidéo parce qu'il le présentera mieux que moi. Mais c'est aussi le finaliste de la Tarkan Cup, c'est-à-dire c'est un tournoi 1v1 qui a été effectué par le youtubeur Tarkan. Je vous conseille d'aller voir ça si ça vous intéresse parce que ça montre quand même un assez bon niveau de jeu sur certaines classes. Et donc il a fini finaliste avec son CRA en 1v1. Donc voilà, au-delà du simple CRA qui est supposé, enfin qui est reconnu socialement comme étant une classe fumée, etc. Bah, il montre un peu qu'il peut y avoir aussi, en plus de ça, une grosse intelligence de jeu, beaucoup de skills, etc. Donc je vous incite, bon, ces vidéos-là vont partir en fond, mais je vous incite en plus à aller rechercher d'autres vidéos et d'autres choses de lui si vous êtes intéressé par la classe CRA, pour voir de belles choses, quoi. Bref, on va pouvoir passer à l'interview, c'est parti. Et donc on se retrouve avec Pewcartoo. Bonjour. Est-ce que tu vas bien? C'est la première question que tout le monde se pose. Ouais, écoute, je pense. Tranquille, et toi? Ouais. Ben, très bien, je te remercie. Alors la première question que je vais te poser, c'est est-ce que tu peux présenter toi-même brièvement ton palmarès en PVP, PVM et ton passif avec la classe CRA pour que les gens aient une idée de ta maîtrise de la classe? Ok, pas de souci. Donc déjà, ça fait depuis 10 ans que je joue le CRA, à peu près. Ça fait 13 ans que je joue au jeu. Attends, sans pause les 10 ans? Il y a eu des pauses, bien sûr, enfin, comme tout joueur, je pense. Hein. Ouais. Ouais, mais c'était toujours CRA en tout cas. À chaque fois que tu reprenais, ouais, c'était CRA. Mon CRA a été créé il y a 10 ans. J'ai créé ça sur Raval, donc c'est un ancien serveur, je crois. Oui. Puis après, je l'ai migré sur Pushko, donc genre 2 ans après, parce que j'ai commencé à créer une petite team sur Pushko. Et donc je l'ai migré, et aujourd'hui, bah, Pushko, c'est devenu Pandore avec d'autres serveurs. Donc voilà pour l'historique. Et puis, niveau PVP, bah écoute, je suis très intéressé à la fois par le 1v1 et le 3v3. Ouais. J'ai fait beaucoup de 1v1, donc dans le top ladder 1v1. Le 3v3, bah, on a fait un petit tournoi, bah, la Dofus Cup, là, on l'a fait récemment avec, avec deux mates à moi, Crolérien et Ruchuchu. Et puis, niveau PVM, j'ai quelques vidéos solotage sur ma chaîne YouTube. Qui vont sans doute passer pendant cette vidéo d'ailleurs. Oui, très certainement, à 100%. Voilà pour le palmarès, et si récemment il y a eu la Tarkan Cup, je sais pas si t'as entendu parler. Ouais, je t'ai vu justement dessus en finale contre, comment il s'appelait déjà? Contre Ragacho. Ragacho, c'est ça, un upper. Et oui, c'était la finale, et ça c'est la classe. Voilà. Donc voilà. Et pour donner une petite idée chiffrée, en points de succès sur le jeu, 18 000 le max. Par contre, c'est pas un truc que j'ai trop tryhard, on va dire. Okay. J'en suis 9800, 10 000 on va dire. Ok, ouais, ça marche. Okay. Ça marche. Bon, on va pouvoir commencer les premières questions que je pose quasiment à toutes les interviews. C'est donc la toute première, pourquoi t'as pris CRA au départ? Alors, pourquoi j'ai pris CRA? C'est une classe en fait qui me plaît beaucoup parce qu'elle est ultra autonome. J'ai dit que j'avais une team tout à l'heure, mais depuis... quelques années, je préfère jouer en monocon parce que bah déjà le jeu il bug un peu, ça fait partie des raisons, mais c'est pas la seule raison, c'est aussi c'est plus, je sais pas, je préfère jouer, j'ai toujours joué en multicon, mais je préfère jouer aujourd'hui en monocon, c'est plus simple. C'est plus MMO peut-être. De quoi? C'est plus peut-être, MMO, ouais, petit l'aspect MMO. Ça je suis d'accord, et puis en plus ça te force plus à jouer avec des amis et tout, et c'est chiant en fait de jouer en team, t'es tout seul tout le temps. Ouais. Du coup, le CRA c'est sympa parce que. C'est une classe qui est ultra autonome, donc elle peut facilement être utilisable en PVM ainsi qu'en PVP en solo. Ouais. Et elle se débrouille très bien parce que tu restes à distance, t'es pas touché, toi tu fais des dégâts.
et tu te débrouilles justement pour éviter un maximum de dégâts. Ça me plaît. Ok, ça marche. Par rapport toujours à cette question, tu sais, généralement, je trouve qu'il y a deux profils de personnes qui choisissent une classe. Soit parce qu'elle aime bien la gueule de la classe, et vite fait ce qu'elle fait, genre imaginons pour Kra, ce serait bah, j'aime bien sa tête et j'aime bien le fait qu'elle utilise un arc, par exemple. Ou il y a d'autres personnes qui prennent une classe au contraire parce qu'elles connaissent un peu les mécaniques, elles se sont renseignées et tout. Tu te mets dans quelle catégorie, toi? Tu peux en faire une autre, hein, de catégorie, si tu veux. Hein. Je peux inventer ma catégorie. Ouais, carrément. D'accord, parce qu'en fait, par rapport à la première catégorie de la tête du Kra, j'en ai rien à foutre en vrai. Ok. Franchement, le skin, bah, moi, c'est un truc que je mets en tout dernier dans l'expérience du jeu. En revanche, moi, ma catégorie, ce serait plutôt. Parce qu'en gros, si tu veux, je me suis pas renseigné pour choisir la classe. Parce qu'en fait, à l'époque, tu vois, j'avais beaucoup de classes. Et en fait, celle-ci, elle m'a plus plu que les autres Donc à jouer en solo. c'est en la jouant du Ouais, coup t'as appris à en la la kiffer jouant, ouais, quoi. voilà, ce serait ça la catégorie Ok. par expérience, quoi, par expérience. Ok, ça marche. Bon, prochaine question, tu l'as déjà un peu évoqué tout à l'heure, mais si tu devais donner tous les points forts pour de la classe Kra pour motiver un peu quelqu'un qui connaît pas trop, même si je pense que tout le monde connaît Kra. D'accord, alors. On va faire ça de manière un petit peu plus détaillée et plus concise. Vas-y. Donc, déjà, le Kra, en fait, il a un énorme avantage. C'est que, mettons, tu prends un combat 1 contre 1 ou 3 contre 3. Donc, ça, c'est pour le PVP. Hein. En parlant côté PVP, là où tu as l'avantage sur le Kra, c'est que tu as l'ascendant. Et ça, c'est hyper important parce que ça veut dire que tu vas être le premier à pouvoir faire des dégâts. Tu vas toujours pouvoir choper ton adversaire. Et donc, ça va lui mettre la pression. Et en fait, rien que le fait de pouvoir toujours toucher ton adversaire, donc en gérant bien tes lignes de vue, avec la balise concentration, normalement tu peux toujours choper quelqu'un, ou alors avec l'acuité, tu vois, entre ces trois trucs, tu Ouais. vas toujours pouvoir le toucher. Et si tu peux toujours le toucher, tu peux aujourd'hui poser ton ébène. Ouais. Et en fait, l'ébène, ça a pris une telle importance dans le PVP que si jamais tu le mets tous les deux tours, bah en fait, tu prends un avantage énorme sur le combat. Ok. Donc, ça, c'est pour le PVP. Et. En fait, je rajoute à ça que si jamais tu mets tout le temps ton ébène, que tu tapes à fond, que tu mets la pression, et ben c'est ton adversaire qui va devoir réagir en utilisant des PA, pas pour te mettre des dégâts. Donc du coup, toi, tu n'as pas de pression, mais plutôt pour se soigner et continuer à encaisser. Donc là, tu vois, toi, tu vas éroder naturellement ou même avec de l'érosion, et tu vas pouvoir continuer à taper et c'est là que tu vas prendre l'avantage. Donc Ok. ça, super important. Alors, côté PVM, bah, c'est un petit peu le même principe, sauf que bon, c'est carrément différent aussi. C'est pas tant l'ébène qui va foutre la pression sur les mobs, parce que eux, il n'y a pas de pression, hein, d'accord? C'est des mobs. Mais c'est plutôt le fait d'avoir la distance, de pouvoir poser tes dégâts à distance qui va te faire gagner, parce que tu restes à distance, tu prends pas de dégâts en général en PVM. Bon, après, il y a des mobs qui ont de la PO, mais ça, voilà. Tu prends pas de dégâts en PVM, et ça se voit d'ailleurs avec les Team Nidas qui ont été farmés Ouais, c'est vrai. et farmés. Bah en fait, ils prennent le Kra simplement parce que tous les dégâts que tu peux poser, c'est à distance et c'est parfait quoi. Ouais, ok. Je sais pas si t'as d'autres idées de points forts. De points forts, après il y a des sorts en particulier, bien sûr. Donc la représailles, ça c'est quand même un super élément en PVP. Et Ok. même en PVM d'ailleurs. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, j'ai prévu une petite question là-dessus, t'inquiète. Très bien, bon, c'est parfait. On va pas parler de plus de la représailles que ça maintenant. Qu'est-ce que j'aime beaucoup? Donc en PVP, bien sûr, le retrait PA, ça donne un avantage énorme. Et depuis le up paralysante, là, la portée modifiable, des petits moins 7 PA cross the map, c'est ouais. Ouais, c'est vrai. C'est Sympathique. vrai que si je peux me permettre de rebondir là-dessus, on a souvent tendance à entendre que le retrait PA en PVM sert à rien. Alors, ça, retirer 1 ou 2 PA, ça sert à rien. Maintenant, retirer jusqu'à 7, comme dit Pucartout, ça peut faire la diff. Prenons par exemple compte à rebours, il a 20 PA, si on en retire 7, bah, il peut pas faire 4 attaques en un tour, par exemple. Alors, pour le coup, compte à rebours, tu vois, enfin, justement, les mobs qui ont 20 PA, moi je pense que là, le retrait il sert à rien. Ok. Là, il y a des mobs qui sont arrivés plus récemment sur le jeu, donc là, je pense à la servitude. Ok. Servitude qui a 10 ou 12 PA, je sais pas. Là, pour le coup, ça peut carry, je pense, le retrait PA. Ok, Parce ça qu'en marche. plus, elle a des attaques à 4 PA, je crois. Donc, ouais, là, ça peut servir. Ok, ça roule. Bon, si t'as pas d'autres idées de points forts, on peut cette fois-ci parler des points faibles.
qui font. Alors. Alors, je dis pas que c'est des trucs. Comment dire? Je dis pas que c'est une fatalité pour la classe, mais je dis juste que c'est des trucs sur lesquels il faut peut-être un peu plus se pencher. Enfin, c'est des points qu'il faut combler pour éviter de plancher avec sa classe, quoi. J'aurais d'autres points forts à rajouter après. Bah vas-y, vas-y, Dont le. commence par ça si tu veux. Ok, Vas-y, t'inquiète. bah le point fort du Kra aussi, c'est bah, les dégâts, bien sûr. Les valeurs de dégâts sont très élevées sur les sorts à charge, punitive et expiation. Ouais. Et fulminante aussi, c'est un petit peu un sort à charge. Enfin, c'est un peu spécial, mais ça peut monter très 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 haut. Ouais. Et puis également la dévorante, même si elle a été nerfée sur le dernier patch, en fait. Elle est déjà mieux qu'il y a deux patchs. Parce qu'avant, je rappelle, c'était une fois par site par tour et deux fois par tour. Maintenant, c'est simplement deux fois par tour. Donc, on peut faire grimper les charges dévorantes assez vite. Ouais. Donc, dévorante, je rappelle, c'est un sort qui peut se stacker au maximum de trois charges. Donc, là, la première dévorante, elle fait des dégâts. La deuxième fait encore plus. Et la troisième fait encore plus. Et une fois que les trois charges sont posées, on peut faire péter entre guillemets la dévorante en la plaçant autre part sur une autre cible. Et là, les dégâts sont assez monstrueux. C'est un peu un sort à charge en quelque sorte. Ouais. Et là, c'est très bien. Du coup, ça fait un gros sort Par élément, ouais. par élément. Mais il y en a un que je ne trouve pas maniable et pas très pratique, pas bien, c'est la flèche massacrante. Ouais, je Je sais le pas joue si tu as un actuellement en niveau. ligne, la flèche massacrante. C'est des Voilà, fois en peut-être un peu ligne, il y a 5 problématique. PO. 4 ou 5, je sais même plus, je l'utilise pas. Et puis ouais, c'est 4 PA aussi, pas très pratique. Ok, ça marche. D'autres idées de points forts? Ouais, bah les bonus PO, le boost, les boosts en fait, les boosts, Bon, les boosts de tout manière simplement. générale, Les boosts. De manière générale, Sentinelle qui a été up il y a deux patchs de là. Incroyable ce sort. ouais. Ouais, t'inquiète, on aura aussi l'occasion d'en reparler. Très bien. Je pense que c'est tout pour les points forts du crâne. Ok, ça marche. Maintenant, les points faibles. Alors, point faible, il y en a pas mal aussi. Son plus gros point faible, c'est. Là, je vais parler PVP. Ok. C'est qu'il a pas de sort team play, quoi. Il peut pas sauver un allié. Enfin, il peut difficilement sauver un allié qui va être buté. Tu vois? Ça veut dire qu'il n'a pas de sort de PB, il n'a pas de sort de soins, enfin à part curative, ouais, super. Ouais. JT Terre, en plus, tu joues empoisonné, c'est la variante. À la limite, il a la représailles, mais ça, c'est tous les 5 tours, donc c'est-à-dire si tu l'as déjà claqué, t'es cuit. Et puis, tu vois, je me mets dans la situation où tu as un allié qui va être tué après ton tour de jeu si tu réagis pas, quoi. Donc, ouais, si tu as la représailles, tu la poses, mais si tu l'as déjà posée il y a 2 tours, c'est mort. Et puis, s'il y a le retrait PA, ça c'est le seul moyen vraiment de sauver un allié ou alors de repousser la cible. Mais si tu veux faire du retrait PA, il faut justement être retrait PA parce que si tu le fais en étant terre, tu vas retirer peut-être 2 PA, bah, ça va peut-être pas sauver ton allié quoi. Ok. Donc, ouais, enfin, tu compares à un Zobal qui peut à tout moment à 10 PO mettre un Tortuga là, Ouais, bien sûr, 700 PV, ouais. un Ennie bah, qui peut simplement lâcher une petite recon ou un Solidar. Enfin, tu vois, il y a quand même un cap entre Ouais, bien sûr. le Kra et les autres classes, mais vraiment toutes, hein, quasiment toutes, sauf peut-être le Xelor, mais le Xelor peut retrait aussi, mieux que le Kra. Il y a un énorme cap entre le Kra et les autres classes en ce qui concerne le sauvetage d'ennemis, quoi, le teamplay. Est-ce qu'on peut même parler du sauvetage de lui-même, au final? Ouais, de l'auto-sauvetage aussi, je Ouais. suis d'accord. Ouais. Comment tu veux te sauver? Peut-être absorbante. Ouais. Absorbante, déjà, c'est un sort que je déconseille en 3 contre 3. Mais ouais, non, c'est. Ou même de Ça reste le manière problème chez les générale, crânes. ouais, ou même de manière générale, tout ce qui est mêlée, parce que tu prends même l'absorbante qui peut éventuellement t'aider, vu que c'est à 4 ou 5 PO, je crois, minimum. Bah, si c'est quelqu'un qui C'est est en mêlée qui 6. te taxe. C'est déjà un peu gênant. Voilà. Donc, ça, c'est un petit peu le problème chez les crânes, c'est le sauvetage. Bah, ils peuvent pas se sauver, quoi. Ouais. Ils peuvent pas se sauver et sauver des alliés facilement. Alors, Ok. dommage dealer, après ça se comprend. Oui, après c'est des catégories de classe, quoi. Celle, Ouais, tu c'est prends un plus Yop, tu peux percuter DPS, par quoi. exemple. Ouais, non, là je suis d'accord quand même, hein. C'est la classe DPS qui a le moins de sauvetage, comme tu disais, quoi. C'est vrai. Je sais pas si t'as d'autres idées de points faibles. Ah, si, j'en ai. Vas-y, n'hésite pas. Hein. J'en ai, c'est. Bah, je suis là, commencer un petit peu à l'évoquer, c'est les sorts du Kra, c'est des sorts
à portée minimale. Donc, si t'es ta clé et que t'as un sort à portée minimale, bah, tu vas devoir dépenser des PA quand même pour te détacler avant de frapper. Et ça, c'est quand même contraignant, tu vois. Par exemple, t'es ta clé contre un bord. Je me mets dans une situation, t'es ta clé contre un bord. Tu peux toujours bail de repli, mais après, si t'es ta clé contre un bord dans un coin, tu vois, tu peux pas bail de repli. T'es obligé déjà de balise, concentration ton ennemi. Et là, tu perds déjà 4 PA, tu vois. Ensuite, tu dois peut-être déloc un ivoire. Et en fait, assez vite, un cra, ça peut se retrouver à faire des dégâts assez ridicules, tu vois. Alors que tu prends un. Je sais pas, un yop là. Bah, il va se détacler avec bon. Bon, il va peut-être pouvoir mettre des vulnés sur la cible. Et là, en fait, les dégâts sont monstrueux. Derrière, il peut te mettre une précis. Si en plus, il doit déloquer un ivoire, ça passe, quoi. Ouais, non, ouais, bien sûr. Vois, ton tour 3 Nébulo, il peut vraiment se retrouver en moins 1000 dégâts, quoi. Faire attention. Non, là, j'ai pas, là, qui me viennent. Non, bah, ok, bah je pense que, à mon avis, le plus important, enfin, les deux plus importants, c'est la mêlée, où c'est compliqué des fois de s'en tirer, et la Ouais, synergie avec aussi. les autres, où des fois, je suis d'accord, ça planche un peu. Ils avaient essayé, je sais pas si t'es d'accord avec moi, d'en faire avec les deux dernières flèches qui sont sorties, la flèche complice et l'autre flèche, là, contre les invocations, éventuellement, mais En voilà. fait, quand ils ont sorti ces deux sorts, j'étais pas très satisfait parce que on s'attendait beaucoup, enfin moi je m'attendais beaucoup en tant que Kra à justement des sorts un peu teamplay. Ouais. Mais finalement, ça reste encore des sorts de dégâts, tu vois. Après, c'est des très bons sorts. Hein. C'est des super sorts qui sont pas. Il n'y a pas trop de sorts qui les remplacent, quoi. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. En PVM, là je fais un peu de songe en ce moment. Du coup, j'utilise un panda, un Ennu, un Kra et un Ennie. Donc moi, je joue le panda et le Kra. Et je joue du coup la flèche complice qui vient taper autour de mon panda, là, qui est tank avec du Ouais, tacle. bah, elle est C'est faite pour ça, incroyable. hein. Elle est faite pour ça, à mon Incroyable. avis, hein. Je sais pas si t'es d'accord, mais pour moi la flèche est clairement faite pour un mec qui tank et tu veux taper par-dessus pour le soutenir, quoi. C'est clairement ça. Ouais. Et du coup, tu chopes tous les mobs et c'est ouais, c'est incroyable. Ok. Bon voilà, je pense qu'on a bien résumé les points faibles. À ton avis, donc prochaine question, la classe est plus une classe PVM, PVP ou les deux? Les deux. Pas clairement les deux. Hein. Ouais. Clairement les deux parce que bah même si elle est considérée comme plus faible en PVP par beaucoup de joueurs, en fait bah on a réussi à faire nos preuves hein, La Tarkan Cup, peut-être, tu vas dire. déjà à la Tarkan Cup et même avant à la Dofus Cup. Ouais. Bah, en fait, tu sais, je sais pas si tu sais comment ça marchait, mais il y avait genre 300 équipes qui étaient parties en championnat, tu vois, on a eu genre 14 matchs de ronde. Bah Ouais. on était bah, on s'en est sorti premier avec le Kra. Grande classe, hein. Non, Donc en c'est fait, vrai. super cool, le Kra, en fait, si jamais il est utilisé avec les bonnes classes et vraiment utilisé pour mettre la pression, 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 là ça devient hyper efficace en PvP. Ok, En ouais. PvM, bah, de toute façon, la question est très simple. La question, ouais. Évidemment que le Kra est une classe PvM, hein. On l'a vu. C'est plus que prouvé. Mais disons qu'en PvP, elle s'en sort beaucoup mieux que ce qu'on croit. Mais Ouais, après faut pareil. faire attention parce que bon, c'est une classe fragile. Ouais, bien sûr. Mais pour ça, du coup, c'est un peu ce qu'on avait évoqué avant avec 1 la mêlée et 2 le fait de ne pas pouvoir se sauver tout seul. Ça peut être contré, quoi. Faut faire gaffe. Ouais. Autre question, est-ce qu'il y a des moments, alors là je vais te parler de quand t'as XP ton cra, donc n'hésite pas à prendre le temps d'y répondre, est-ce qu'il y a des moments que t'as trouvé chiant dans ta phase d'XP jusqu'au niveau 200 avec ton cra? Alors en fait, comment j'ai XP jusqu'au niveau 200? Le moment le plus chiant, c'était entre le niveau 1 et 70. En gros, de base, ce cra, tu vois, je l'avais créé uniquement pour le PVP PL. Ah, c'est marrant ça. Pour taper des flèches absorbantes. Ok. C'est 70, je crois, un truc comme ça. Enfin, à l'époque, c'était sur un 29. Ok, ouais. Et avec le taudis, la capte au fufu, le bâton carnivore, là. Les petits panneaux blob coco, là. Ok, donc c'était ça. Et c'était un peu long, parce qu'en fait, j'avais un peu aucun perso qui l'accompagnait pour XP. Et du coup, c'était trop long. Et puis, c'était des combats un peu chiants. Genre, c'est au début les crackboules, puis les porcas. Puis ça s'est fini en donjon blob. Ouais, bon, bref, c'était des trucs comme Ouais. ça et c'était un peu chiant, un peu répétitif. Ce qui te faisait chier, c'était quoi? C'était la phase farming de mob ou la phase 6PA 3PM? Oh, c'était farming plutôt. Farming. Ok, ouais. Bon, ça va, le jeu a plutôt bien évolué dans ce sens-là. Ouais. Plus de quêtes, Ouais, plus de bah ouais. succès, non? Heureusement, hein, parce que tu vois, j'ai mis tellement de temps à monter ce perso niveau 70.
comparé à aujourd'hui, tu vois, tu te dis pour monter un perso 70, tu fais un combat de songe et t'y es, hein. C'est Bah plus canon. maintenant, les songes maintenant XP plus. Mais par contre les songes Ouais, c'est d'avant, vrai, il y a ouais. eu un patch, t'as raison, t'as Ouais. raison. Non mais par contre là où t'as raison, c'est que les anciens songes, en effet, là tu prenais. Ce qu'on se disait avec des potes, c'est que Volcazorus, avec les songes où il était, je pense qu'il prenait un perso niveau 1, il l'emmenait avec lui et je pense qu'il en Ouais, il ressortait faisait trois 200. combats, c'était plié, c'était incroyable. C'est fabuleux. Ouais, bon. Et puis, donc voilà, c'est là je l'ai XP jusqu'au 70, niveau 70, j'ai fait un peu de PVP avec, sur la map aggro à l'ancienne. Ouais. Et puis après, bon, là j'ai fait une grosse pause. Et ensuite, c'est là que j'ai recommencé à jouer sur Pushko, où Ouais. j'avais des potes. Et donc du coup, je l'ai migré. Et je l'ai XP en fait avec un Xelor que j'avais monté au Bouffemout. J'avais une technique assez particulière, ça c'était assez intéressant à savoir. C'est qu'en gros, à l'époque, j'utilisais les Bouffemouth de guerre. Je faisais des groupes avec des Bouffemouth de guerre qui te mettent des faiblesses quand tu te fais taper. Enfin, qui te mettent des faiblesses et en même temps, ils te mettent un buff quand tu te fais taper. Tu gagnes 50 dommages par ligne. Ok, ouais. Donc en gros, je stackais un maximum de dommages comme ça, avec tous les Bouffemouths qui venaient me Ah, c'est marrant taper. ça. Et je tankais avec momification, protection aveuglante et contre. Donc c'était encore quand ça réduisait les dommages. Ouais. Et ensuite, je leur renvoyais tout dans la gueule avec du marteau. Ça faisait des marteaux Ubolu. Ça faisait du moins 2000 par coup. Les C'était gars, l'ancienne. incroyable. Ok, ouais, Voilà. c'est marrant. Ouais, c'était archi drôle. Donc ça, c'était, bref, Free Ghost. Ok, ouais. Oui, entre-temps, avant de faire ça, j'avais un petit peu XP mon crâne un peu plus. Il Ok. était passé, niveau 100. Et j'utilisais coiffe de classe. J'étais monté grade de 9, je crois. Putain, pas mal, bien joué. C'était assez lourd. Mais c'était un stuff à l'ancienne. Hein. C'était vraiment au Ouais, tout ouais, début de la ouais. demi. Ok. Bon, en tout cas, t'as pas d'évolution de Kra récemment en 2-0. C'était vraiment le Kra que t'as maintenant, c'est le Kra que t'avais à l'époque, c'est ça? Comment ça? Là, le Kra que t'as actuellement avec lequel tu joues, bah ton Piu-Kartou, c'est le Ah oui, Kra de donc l'époque. c'est le même cra, quoi, c'est Ok, vraiment. ça marche. Bah, du coup, je vais tourner ma question différemment. Est-ce que tu penses que en remontant un Kra maintenant, actuellement, il y aurait des moments par rapport au gameplay du Kra que tu peux trouver chiant? Je te donne un Ouais. exemple. Héliotrope, quand t'as pas de PM, pas de PA, 0 PO, tu te fais chier. Moi, j'ai failli abandonner mon Hélio à cause de ça. Est-ce que Ah, c'est Kra, fou. c'est, tu penses que c'est pareil ou moins? Ben, je pense que ce serait pareil même pour toutes les classes parce que enfin, aujourd'hui, je joue depuis pas mal de temps que sur des classes 200 avec bah, des stuffs en 11-6 minimum. Ouais. Forcément, ouais, le fait d'avoir trop peu de PA à 6-3, ça serait frustrant, c'est sûr. Ok, ouais, ça marche. Maintenant, je vais prendre l'autre côté de la. Comment je pourrais dire l'autre face de la pièce. Est-ce que tu as des moments que tu as trouvé super plaisant dans le fait d'évoluer avec ton cra? On a parlé des Ouais. moments chiants. Maintenant, on va parler des moments un peu qui font kiffer. Bah du coup, j'avais même pas fini d'expliquer Ah, excuse. l'aventure de mon cra pour XP quoi. Vas-y, pardon. Mais la suite est plaisante, c'est qu'en fait, en montant ce cra au Bouffemout là, j'ai monté en même temps un Sadida, le Xelor était déjà monté un peu niveau 120, il continue à XP. Ouais. Et en fait, j'ai monté 5-6 persos, il y avait un panda aussi qui a rejoint, un Eni. 5-6 persos comme ça jusqu'au niveau 120, à peu près la panoplie Bouffemout, tu vois, Bouffemout Royal. Je sais plus. C'est ça, ouais, Bouffemout Royal. Ouais, Bouffemout, ouais, la Bouffemout royale. Parce qu'il n'y a pas la Bouffemout tout court, je crois. Ouais, enfin, tous mes persos en fait, ils avaient soit une panoplie Bouffemout, soit un petit peu des stuffs différents chacun. Et là, j'ai commencé à avoir ma première team. Et en fait, tous mes persos, ils étaient ouais, autour du niveau 120 et 150. Et donc là, ça commençait à être vachement cool parce que je pouvais faire les donjons Free Ghost tout seul, les gros UTHL tout seul en fait. Et Ouais. là, j'étais archi content. Et j'ai fait ça jusqu'à monter 8 persos 200. Et puis, ouais, non, ça j'ai bien aimé, ça j'ai vachement adoré. Ok, ouais, Mais ça maintenant, ça marche. me plaît plus trop de jouer en team comme ça. Ah ouais, bah après, t'es, ouais, comme tu disais tout à l'heure, t'es plus sur monocompte maintenant, donc l'approche est différente, quoi. Ouais. Et ça fait super longtemps hein, que je joue plus en team. Je joue en team de 8, tu vois. T'étais peut-être comme moi à la sortie du serveur Illisael, quand t'as vu monocompte, tu t'es dit, ah putain, c'est peut-être le moment de tout lâcher pour Non, aller... j'étais déjà en monocompte depuis pas mal de temps Ouais. là. Ok, Ouais. ouais, ça marche.
Du coup, des moments plaisants avec le Kra, tu penses que ça peut se situer à quel moment de l'évolution sur Donc, du quelqu'un qui coup, monte un entre Kra lourd? niveau 120 et 200 pour ma part. Ouais, c'est là où le contenu PVM est plus sympa en plus du gameplay Kra qui se développe. Ouais, totalement. Et en fait, à l'époque, tu vois, j'étais pas trop encore penché sur le Kra, hein. C'était pas vraiment le Kra qui me plaisait le plus, c'était plutôt l'idée d'avoir une équipe. Ouais, ah oui, c'est une approche différente encore. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, en gros, c'est que après toutes ces années, bah, j'ai préféré rester sur le Kra. Ok, ouais, malgré toutes les classes que t'avais jouées, quoi. C'est ça. Tu sais, je Ok. jouais la compo classique à l'époque avec Panda, Pekka, Sakri, Eni, Ossa, Ouais. Xelor, ça c'était les 6 que tu devais avoir de base, hein. C'est avec le placement en croix, en étoile, là où Ouais, tu pour utilisais. dévouement, mots stimulants, etc. là. Ah, exactement, la fraction, la douleur partagée, tu gagnes des points de puissance. Et en fait, si tu veux, il y avait genre deux places en soi, parce que t'avais des teams de 8 maximales et ça faisait 6 persos. Du coup, dedans, j'avais pris mon Kra. Ouais. J'avais déjà en fait l'idée derrière tout ça de faire une team de 8 quand j'ai commencé à monter ce Kra, à le ramener sur Pushko. Et donc j'ai mis un Kra et un Yop aussi, parce que ça faisait des divines en zone et ça c'était rentable. Ok, ouais. Ok, ça marche. Du coup, ça tombe bien que tu parles d'équipe, j'avais deux questions là-dessus. En PVM, si actuellement tu devais proposer une autre classe pour synergiser à fond avec le Kra, pour duo, tu mettrais quoi? Les Nutrophes. Les nuits, ouais. Alors ça c'est sûr certain les Nutrophes. Là pour le coup je pense c'est le mieux. Après peut-être le Panda aussi peut être très très bien. Il y a beaucoup de duotage Panda-Kra. J'ai vu il y a un duo Panda-Kra-Illisaël, ça paraît assez simple, c'est bien organisé, c'est pas mal. Ok. Ça consiste à mettre le panda qui porte le Kra dans un coin où il n'y a que deux mobs qui peuvent te taper, et là avec le Kra tu fais tout le travail, quoi. Ok, ouais, ça marche. Et puis c'est vrai que le panda qui peut faire détacler les mobs au calme du Kra, s'il est un peu dans la panade, c'est vraiment pas trop mal. Surtout qu'il peut faire ça que pour 2 PA. C'est pas mal du tout. C'est Mais les stylé. Nutrophes, je préfère parce que j'ai fait pas mal de duos du coup en Enu Kra avec Ruchuchu. Et c'est super parce qu'en fait c'est super synergique. Tu peux décadence tous les deux tours, donc pendant les tours Nébuo, là où t'as ta punitive par exemple. Tu peux mettre ta chance qui va proc pendant les tours Nébuo si tu te débrouilles bien. T'as la retraite. Les deux classes, c'est des classes qui tapent de loin. Enfin, tu vois, c'est des classes distance qui tapent pas mal. Tu mets une retraite. Au moment où il y a une zone, tu spammes les assaillantes. Enfin, c'est super. Hein. Ouais. J'ai pu faire duo servitude en Kra et Nu. Marche pas. C'est bon à savoir pour ceux qui veulent tenter les duos en Kra pour les dernières zones. Après, on l'a beaucoup travaillé. Il n'y a que le servitude hein, Ouais, qui est j'avais vraiment. entendu dire qu'il y avait une espèce de gros écart de difficulté entre servitude et les trois autres. Moi, je Ouais, les ai ça pas encore tapés pour l'instant. c'est à Ça me cause fait un. de l'invocation, du sort d'invocation de la servitude. Ok, ouais. Il invoque tous les deux tours, un truc qui est super cancer, donc c'est compliqué. Ok, ouais, ça marche. Et au-delà des duos, si tu devais faire une team de 4 avec ton Kra dedans. Avec un crâne inclus dedans? Ouais. Ah oui, bien sûr, oui, c'est une interview sur le Ok, Kra. ça j'ai pas réfléchi à cette question, je vais réfléchir un peu. Ça peut être très perso, hein. Moi, j'avais mis les personnages que je préférais. Après, toi, tu mets ce que tu veux. Ok, mais pour faire un truc efficace, je pense, déjà je mettrais un élu, c'est sûr. Ouais. Franchement, j'ai du mal à me détacher de l'élu avec le Kra, c'est fort. Aucun Enu souci. Kra, Panda, obligé, et bah en fait ma team songe, hein, Eni. Ok. Moi j'aime bien ça, j'aime bien, c'est efficace. Ok. Ça marche. Bon, on va pouvoir commencer un peu à parler du bas level. Et on va aller petit à petit du coup vers le haut level. Donc à bas level, si tu devais me faire un petit top 2 des éléments jouables actuellement par rapport à ce que tu connais. Ben, en fait, pour ça, il faut regarder, on va le faire tout de suite, il faut regarder les bons sorts que tu as de disponibles, tu vois. Ouais. C'est ça, en fait, qu'il faut regarder. Et puis, normalement, ça donne l'élémentaire déjà pas trop viable. Parce qu'au final, tu n'as que la punitive que tu chopes au niveau, je sais plus si c'est, ouais, niveau 35, c'est marqué là. Ouais. T'as que la punitive que tu chopes niveau 35 et la destructrice niveau 60. Finalement, tu peux pas t'en sortir comme ça avec uniquement deux sorts. Si t'as la flèche complice niveau 80, t'as que trois sorts. Et encore, c'est niveau 80, donc c'est plus BL, quoi. Si tu prends BL, en fait, BL, c'est quoi pour toi?
Ah ben c'est vraiment le tout début du jeu, c'est du 1 au 1 au 50 quoi. Voilà, Voire à 70. t'as juste flèche punitive. Déjà, tu vois, tu peux mettre de côté l'élémentaire. Ouais. Tu peux pas le prendre de manière viable. En revanche, moi, je vois bien l'élément feu ou l'élément eau, parce que l'élément eau, t'as déjà expiation, qui tape déjà beaucoup, hein. Ouais, tu le prends niveau. T'apprends le sort niveau 15. Et ouais, tu peux taper déjà un 75 de base eau, c'est fort. L'œil de taupe et la flèche d'Imo. Donc ça veut dire, au pire, tu peux taper tous les tours avec Imo. Deux fois par tour, ce qui est correct. Bon, après, c'est vrai que ça tape pas beaucoup. Ça te rajoute T'as de la l'œil de mobi taupe. éventuellement si t'as de la chatte. De quoi? Ça te rajoute de la mobilité si t'as de la chance sur ton retrait. En Enfin sur plus, ton ouais, vol. sachant que les mobs, ils ont aucune esquive au début, c'est grave faisable. Et puis l'expi qui fait un gros sort tous les 3 tours. Donc ouais, l'élément eau ou l'élément feu normalement. Ok, ça marche. L'élément feu, t'as la glacée et l'enflammée que tu peux spam déjà. L'enflammée est vraiment pas dégueu. Ça fait même depuis un 29, je crois qu'elle est pas dégueu l'enflammée, elle a jamais cessé d'être pas mal. Hein. Ouais. Et même l'élément air en fait. Parce que là, je viens de voir, t'as recul et magique. Je pense, tu vois, entre niveau 1 et 20, 1 et 10, c'est le mieux l'élément air. Ouais. Ok, ouais, ça marche. Dans les stuffs que tu recherches par rapport au crabe à niveau, est-ce que tu penses qu'il y a besoin de beaucoup de vita? Parce que est-ce que tu penses, par exemple, dans ce cas-là, que le crabe est assez souvent exposé aux dégâts? Ou est-ce que au contraire, tu penses qu'il faut lui mettre beaucoup de stats ou un entre-deux? Alors là, tu mets full stats, mais alors ça, je suis sûr à 100% parce que de toute façon, le but, quand t'es un crabe de manière générale, déjà, c'est de pas être touché. Mais là, il y a encore un autre truc qui vient confirmer cette thèse, c'est que bah déjà, t'as pas de vie. Même si tu mets de la vie, t'en as pas beaucoup. Et puis, c'est justement les dégâts qui vont te permettre. Parce que comment ça se passe un combat BL à ce niveau-là? C'est tu vas commencer plutôt loin des mobs parce que t'es un crabe. Tu vas avoir 3 PM, tu vas pas pouvoir beaucoup bouger. Les mobs, ils en auront peut-être 4 ou 5, donc ils ont une mobilité supérieure à toi. C'est-à-dire, à un moment, tu vas te faire choper, quoi. Donc le but, c'est de les tuer le plus vite possible. Et en plus de ça, tu gagnes du temps. Ouais. Moi, je verrais full. Ah ouais, ok. Ça marche. Du coup, dans la même lignée, est-ce que tu es d'accord avec moi si je dis que le Dofus argenté, même s'il peut aider dans certains combats de quête, évidemment, il n'est pas obligatoire dans les combats où on peut rester loin? À fait d'accord. Ça marche. Est-ce que. Enfin, qu'est-ce que tu peux conseiller de faire, en très général, hein, pour aider un joueur Kra à EP, s'il est solo, par exemple, débutant et qu'il sait pas trop quoi faire, hein? Bah jouer au jeu, ça veut dire en fait faire les succès. Les C'est une succès question sur très Internet. bateau, hein, tu t'en doutes, il n'y a vraiment aucune question piège. Mais c'est vraiment quelqu'un qui connaît pas le jeu. Il regarde cette vidéo parce qu'il est attiré par le crâne, mais il sait pas comment quoi faire, tu vois. Ouais. Bah moi je dirais faire les succès, jouer au jeu finalement. Parce que tu joues au jeu, tu récupères des succès, tu découvres des zones, ça va te faire XP. Tu vas faire les challenges sur les mobs, ça va te faire XP avec un succès. Plus, hein, tu vas XP plus vite, et en plus de ça rapporte un peu de Kama. Donc ouais, c'est full rentable, hein, tu joues au jeu, quoi. Est-ce que tu conseilles le PVP à un crabe à niveau? Genre là, on va se dire du coup à partir du niveau peut-être 20, 20, 30 environ. Pas trop. Non, pas trop. Après, remarque, 20-30 en pas trop opti, c'est pas mal parce que à opti égal, je pense que le Kra sera au-dessus quand même. Parce que il aura l'avantage, il aura l'ascendant, hein, ce que je disais tout à l'heure. Et puis, si t'es pas trop petit, t'as pas trop de vita, et normalement, le Kra peut tuer l'adversaire avant même que l'autre le rush, si jamais il y a un peu de distance. Ouais. Donc, ouais, Donc c'est pourquoi pas, une mais bonne classe non. PVP bas niveau quoi. C'est vraiment pas intéressant, parce qu'au final, ton tour, t'auras quoi? T'auras 7-8 PA. Si t'es pas trop petit, ton tour, il va te résumer à glacé enflammé. De toute façon, c'est du spam hein, à bas niveau le PVP. Bon, sauf éventuellement certaines classes, mais. Je pense qu'il y a des classes intéressantes comme. Bah là, j'ai toutes les classes sous les yeux, du coup, faut voir. L'Hélio Hélio, peut-être. je pense que. Ouais, voilà. Hélio, c'est déjà intéressant. Steamer, il y a la tourelle qui fait vachement mal et qui aide quand même bien. Ouais. Ouais, moi, je cherche intéressant, genre dans le sens où. Ouais, avec T'as des déjà faire mécaniques. des coups, quoi. C'est Et je pense qu'en Xel. fait, en Hélio, tu dois déjà réfléchir à tes redirections, donc ça peut être cool. Roublard, en fait, ça peut être intéressant, mais c'est tellement limité parce que tu prends des sorts. Le roublabot, je sais pas si t'as déjà essayé le roublabot de M. Y a un petit moment, mais il a été un peu rebougé depuis. Donc là, dernièrement, non. Ah ouais? Non Tu mais l'as fait il combien de fois? reste pas incroyable, il reste pas incroyable.
Mais c'est horrible, hein. Moi d'une fois je l'ai envoyé, tu sais, je me suis dit vas-y, je vais foutre le mec dans le mur, j'ai cru que j'avais le rompe la botte niveau 200, et là je vois je peux pousser que de 3. Ah ouais, c'est des petits moments Je peux pas de monter en haut, tu malaise vois. comme ça. Ah j'avais le seum. Ah, tu m'étonnes. Bon, voilà pour le bas level, tu vois, c'était un peu pas mal rapide. Maintenant, on va monter un peu la tranche de niveau pour se situer dans les niveaux 100 à 150 environ.